Hé hey Mario, réveille-toi. Réveille, Mario. Mario, on a du boulot. Mario, on a du boulot. Réveille-toi Mario. Ah, il s'est réveillé. On a du boulot les gars, on doit terminer ce jeu. Salut Walibi, comment ça va? J'espère que tu vas bien Walibi. Alors, on va essayer de... On est à combien de soleil là? 65, il nous en reste 5. On va essayer d'un petit peu de trifouiller cette... On va essayer un petit peu de trifouiller cette île là. Ou en tout cas la place Delfino. Et on va peut-être commencer par cette petite île là-bas parce qu'on n'y a jamais été. On y va. Bah ça va nickel, je te remercie Walibi. Oh putain mais j'hallucine. Ça commence bien. Un oiseau doré les gars. Un oiseau doré. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Oh là là. Putain mais... Déjà d'entrée un soleil, comme ça, c'est la fête. Putain, par contre, il est loin. Oh, le one-up, le one-up. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir. Bon, tant pis. Bon, un petit soleil déjà d'entrée, ça fait plaisir. Alors, on va aller se le récupérer tranquillou. Ils sont où les autres? Ben, le live vient de débuter et c'est un live sauvage. Donc, personne n'est averti. Hein. J'ai laissé le message sur Discord. Mais ça devrait arriver petit à petit ou alors les gens sont occupés. En tout cas, il fait un temps dégueulasse chez moi. C'est pour ça qu'il y a ce petit live sauvage. Et toi, quel temps tu as chez toi, Walibi? Comment je peux faire pour l'atteindre? À mon avis, c'est par là. Oh putain, ça déconne. Sans déconner, j'ai raté. J'ai raté. Alors, faisons ça. 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 Là où je suis, en tout cas, il vient de pleuvoir et il y a beaucoup de vent. Ben, j'ai l'impression que c'est partout pareil. Hein. Est-ce que ça passe? Oui, c'est passé. Magnifique. Premier soleil. Premier soleil. Allez, 66. On est à 4 soleils de la fin du jeu. Alors, allons fouiller un petit peu les toits, là. Ça m'énerve d'entendre des scintillements de soleil. Alors que je ne sais pas où ils sont. Je voudrais bien récupérer le... l'oiseau bleu, là. Et il vole assez loin tout de même. Il vole assez loin. Oh putain, sans déconner, j'ai raté. Alors. On va recharger un peu. On peut pas recharger ici.
Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que je peux faire? Là-bas, il y a un monsieur, là. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y en a un, là. Il est sur les toits, là. Je sais pas à quoi il sert sur le toit. On va aller lui parler. Et c'est pas anodin. S'il est sur le toit, c'est pas par hasard, à mon avis. Pas mal, hein. C'était en 3D, ce truc-là. Quoi si je le fais tourner? Ça fait rien du tout si je le fais tourner. Ça fait rien du tout. Je veux bien te lancer en échange d'une pièce. Tu es d'accord? Oui. Une simple pièce. Ah merde, il me faut une pièce. Bon, alors je sais où trouver des pièces. Plein de pièces même. Là. Ici. Ici, il y a des pièces. S'il est sous le toit, ça veut dire qu'il veut se suicider. c'est pas faux. C'est une très bonne suggestion, ça, Walibi. Oui, en fait, le soleil est là-bas. Attendez. Peut-être que c'est un lanceur. Oui, oui, mais c'est ça, il m'a dit je veux bien te lancer. Oui. Vers l'infini et au-delà. Magnifique. Ah ben voilà. Un soleil de plus. Extraordinaire. Très bien. Magnifique. 67. 67. Alors, où allons-nous? En fait, il suffit juste de discuter avec les gens un petit peu, j'ai l'impression. Si tu veux transpirer un bon coup, tu peux bien sûr aller faire un jogging, mais c'est plus simple de manger ça. D'accord. C'était une sensation étrange d'être aspiré par ce liquide. C'était comme se trouver à l'intérieur d'un bonbon géant. Très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il a à me dire? C'est pas lui qui était en feu? Je suis toujours à espérer le retour du soleil en vain. Oh, mais... ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, mais t'es sérieux? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la surprise! Ah ouais, carrément, là-bas. Oh ben, super! Alors là... Bon, celle-là, je m'y attendais pas! M'y attendez pas, hein. C'est parfait. Mais en fait, il y en a beaucoup qui étaient bien cachés, en fait. Hein. C'est un début de live. Début de live sensationnel, là. Hein. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? Où est-ce qu'on peut aller? Ah oui, le Yoshi. Ça, c'est une porte que je peux péter ou pas? C'est quoi ces caisses aussi, là, à mon avis? Bonjour, est-ce que tu pourrais m'aider? Il me faudrait que tu me rapportes des fruits. Si je meurs d'envie de manger des durians, tu veux bien m'en apporter 3, il faut juste que tu déposes le fruit dans ce panier. Bon, les durians, ils sont où? Ils sont de l'autre côté, à mon avis. Ils sont de l'autre côté, non?
À voir. Ils veulent des durians. C'est quoi des durians? Alors non, pas de dégustation gratuite. Ananas, piment, banane. C'est un des deux. Le durian, c'est un des deux, c'est sûr. Est-ce que ça serait ça, par hasard? Ou alors ça, c'est une noix de coco, ça. Comment tu veux amener un durian là-bas, sans déconner? En plus, 3? Ah, oh, ça serait trop compliqué, hein. Trop compliqué, là. Oh, attendez, il y a une cloche qui est dégueulasse, là-bas. Comment ça se fait qu'elle est redégueulasse? Elle n'est pas récupérée déjà? On va récupérer cette buse. Allons voir. Il me semblait... Putain. Wham, le nouveau livreur. Ah non, mais c'est clair. Non, non, je vais pas la faire, celle-là, trop complexe. Il me semblait qu'on l'avait faite, à moins que là... On l'avait faite, celle-là, non? Ou alors c'est une autre cloche. Et je crois que c'est une autre cloche, hein. Ah non! Mais c'est une vraie? C'est toi la cloche. Ah, mais on l'avait pas faite celle-là en fait. Ah, faut passer par les égouts là. Passer par les égouts. On va récupérer la buse normale. Alors, allons-y. Alors, allons-y. Et du coup, comment on fait pour y aller? Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour rentrer? C'était bien là, hein? C'est bien là-dedans? J'y avais été, il me semble, en plus déjà. Ici? À gauche? Bah alors là, franchement... Bah alors là, franchement... Action-réflexion... On va essayer de chercher un petit peu mieux là quand même. Je vais essayer de taper les... Celle-là peut-être? Non. Ah ici. Ici. Ici certainement. Ici.
C'est sûr que c'est là. Ah, excellent. Parfait. Ben voilà. Du bon boulot, ça. 69. C'est magnifique. Alors, soit je fais les 100 pièces, soit je récupère un dernier soleil. C'était rapide quand même, franchement. En fait, quand tu cherches un petit peu dans la place Delfino, ça passe tout seul. Hein. Ça passe vraiment tout seul. Alors, c'est facile. Soit je fais les 100 pièces, soit je continue à discuter un petit peu avec les gens. Le nombre. Comment ça, le nombre, Walibi? Oh, attendez. Ici, je vais... Oh, attendez. Oh, mais ça a changé, ici. Alors, brise toutes les caisses en moins de 30 secondes. Oui. Alors, si je fais ça... Qu'est-ce qu'il me fait ? D'accord, on va recommencer, je pense. C'est possible. Est-ce que je peux faire le saut comme ça ? Oui. D'accord. D'accord, ok, c'est bon, j'ai capté. C'est bon, j'ai compris. Ok, saut ça. Ah oui, d'accord, le nombre. J'ai compris, Walibi, là, ça y est. Bon, allons-y. Je manque d'entraînement, il faut que je re-rentre et que je ressorte. Voilà. Bah écoutez, ça va le faire là. Ça devrait le faire. Eh hey. Ça va pas le faire peut-être. 9 secondes. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ah putain, ça va pas le faire là. Mais c'est faisable, hein, largement faisable. Faut juste que je trouve la méthode, c'est tout. Faut juste trouver la méthode. Ok. Parti. Donc là, je fais ça. Ok. Ok. Ah, saloperie! Mais putain! Oh, c'est trop court. Ouf. Oh là là! Oh là là, le temps! Le temps qui me restait! 0, un dixième, il me restait un dixième de seconde, même pas un dixième, un centième de seconde, il me restait, sans déconner, un truc de ouf, oh là là, truc de malade, ah le truc de fou, un centième de seconde. Bordel de merde. Il faut faire un... Il faut prendre une photo de ça, clairement. Oh putain, sans déconner. Oh là là, un centième de seconde. Tu as fait durer le plaisir, effectivement. Oh là là, bon, c'est vraiment magnifique, 70 étoiles. Mais je pensais pas que ça irait aussi vite, là, tout de même. 70 étoiles, je crois qu'on peut aller à Bowser, là, non? Pense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit à 70 étoiles? Alors, attendez, il me montre la place Delfino. J'ai 70 étoiles. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial? Bizarre. Bizarre, j'ai 70 étoiles. Ah oui, il y a des étoiles secrètes.
Des soleils. Je dis des étoiles peut-être depuis le début du live alors que c'est des soleils. Je ne sais pas quoi choisir. Ah oui, mais il va me filer le scaphandre là, putain. Là, il y a une pièce bleue. On va récupérer. Hein? Ah, j'ai le scaphandre. Pourquoi ça me compte de le... Pourquoi ça me compte de l'oxygène alors que j'ai le scaphandre? On peut me l'expliquer. Il y a un truc spécial à faire ou pas? Non mais attendez là, je vais... Ah, il y a bien un fond ici. Il y a bien un fond. Il y a bien un fond. Alors, s'il n'y a pas un petit secret, peut-être. C'est que tu l'as mal mis. Bon déjà, tu dis peut-être qu'il y a un petit secret à récupérer, mais vraiment non. Ah si, il y a une pièce bleue là-bas. D'accord, une pièce bleue ici. On va la récupérer. On va la récupérer, mais franchement, j'ai 70 soleils. Il faut avoir pris le 8ème. Attendez, on va regarder le classement là. Donc, où c'est que j'ai pas récupéré la... La map. On va regarder la map. Donc là, place Delfino. Salut chef Puma, comment ça va mon cher chef Puma? L'aéroport. Alors attends. Ici, j'ai... Place Delfino, j'ai 16 soleils. Port Rico, 7. Comment ça, Port Rico? Il faut 8 étoiles, il faut 8 soleils de partout, je crois. 6 au village Pianta. 7 à la plage Sirena. Attendez, on va retourner au Port Rico. Ah, j'ai pas récupéré. Oh là là, faut que je récupère les soleils. Oh putain, d'accord. C'était que du bonus ce que j'ai fait. Puisqu'il faut 8 soleils à chaque fois. Oh putain. Est-ce que t'as un temps dégueulasse chez toi aussi, chef Puma? Alors, non, c'est pas ici. Alors, on va aller au Port Rico. Je crois que c'était là-bas, le Port Rico. Me semble. Ouais, c'est très moyen chez moi. Ouais, c'est... Je crois qu'il y a, il y a un temps dégueulasse de partout en France. Insatiable Yoshi, c'est bon. Ah ouais, c'est une horreur. Je suis obligé de le faire en fait, je crois. Prêt pour le live Minecraft de ce soir? Oui, tout à fait. Tout à fait prêt.
tout à fait prêt. Bon, ça va être une catastrophe, les gars. J'ai l'impression que là, j'ai atteint 70 soleils. J'ai déjà atteint les 70 soleils. Et j'ai l'impression qu'il faut que je récupère les soleils obligatoires de chaque niveau, là. J'ai l'impression que ça ressemble à ça, là. J'ai l'impression que je dois récupérer les 8 soleils de chaque niveau. J'ai cette impression-là, les gars. J'ai cette mauvaise impression. Cette très mauvaise impression. Une très très mauvaise impression. Quand je dis très mauvaise, je pèse mes mots. Est-ce que tu as retardé le moment de coupage du Wi-Fi, du coup, car ça ne serait presque indispensable? Non, je vais le faire. Mais tu as bien fait de me le faire penser, chef Puma. Parce que est-ce que ça marche si tout le monde est déconnecté et se reconnecte? Au pire, tout le monde est... Parce qu'en fait, je peux relancer le Wi-Fi. Je peux relancer le Wi-Fi, c'est pas un souci. Et la coupure, je suis obligé de faire des réglages sur le PC. Ah, ben oui, ça devrait marcher aussi. Ah, parfait. En Belgique aussi. Ah, t'es en Belgique, Walibi ? Ok, pas bon. Il veut quoi déjà? Ah oui, il veut le truc pourri, là. Le truc que j'arrive pas à attraper. Car si on peut avoir une heure de plus, ça serait parfait. Ah oui, live de 3 heures, alors. Il faut une heure de plus ou faut que ça se passe après minuit? Putain, fait chier. Oh là là, je sens qu'il va me rendre fou, ce passage. Ah, c'est bon, j'ai le fruit. Alors, en un lancer, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, parfait. Bon, voyons voir. Ah non, faut que je lui vomisse dessus, je crois. Oh, c'est horrible. Il est horrible. Ce niveau est horrible. On va faire simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Salut Docteur Nintendo, comment ça va? Bienvenue à toi. Donc, et après minuit, pourquoi pas aussi? Ben, c'est surtout une heure de plus. D'accord, ok. C'est surtout pour une heure de plus ce soir. Je comprends mieux, chef Puma. Donc, c'est pas problématique si tout le monde est déconnecté et je rappuie sur le bouton du Wi-Fi pour le relancer. Et puis, vous rejoignez tous la map. Ça pose pas problème. On est d'accord. Ok. Ok. Il est où le soleil là? Il est où? Il est ici. Il est ici. Est-ce que j'y vais à l'économie de...
Oh là là. Oh là là, j'ai pu avoir de... Et le nectar, c'est que les fruits, je crois. Oh là là, je vais pas avoir assez de fruits. Ça va, j'étais sur le Zen Event, j'ai réfléchi à combien je donne, je pense 100 balles. Ah oui, c'est de la grande générosité pour cette année, la fin, je crois. Comment ça s'appelle? Ouais, le nom exact de l'association. L'année dernière, c'est contre la faim. J'ai oublié le nom. Putain, non, mais j'ai plus de nectar, les gars, sans déconner. Est-ce que je peux y aller sans? Je peux plus y aller sans. J'ai réfléchi 2 heures pour rien. Sans déconner. C'est chronométré en plus, cette saloperie. Cette saloperie est chronométrée en plus. Putain, fait chier. Il était juste là. Pff, oh là là. Mais comme je suis dégoûté. Ah, mais comme je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, allez. Si je changeais la buse. Ça pourrait le faire peut-être. Les loisirs sont importants, mon garçon. Mais pas autant que le travail. Il est temps que je rentre chez moi, à mon hélico. Quant à toi, continue comme ça. Ouais, mais il est sympa, lui. Appelle ça un hélicoptère. Je voulais faire le don de Satan, mais il faut que j'économise. Allez. Sinon, comment allez-vous? Et pour ce soir, tu as trouvé un moyen? C'est-à-dire trouver un moyen. C'est passé. Putain, par contre, là, je vais pas être en difficulté avec cette buse ici, là. J'en étais sûr que j'allais être en difficulté. J'aurais pas dû changer de buse. Non, pour le Wi-Fi, dès qu'il s'éteint, je le rallume avec le bouton, c'est pas un problème. Par contre, aller sur le serveur SFR pour faire les réglages et tout, ça me casse un peu la tête. Donc je pense que, ouais, vous serez tous déconnectés à minuit. Et ensuite, je relance la partie. Quoi, je... En fait, vous êtes déconnecté. Et vous rejoignez la map. On va faire comme ça. Là, j'ai pas besoin d'aller sur le serveur. Serveur SFR, là. Je sais pas quoi, là. Pour faire le réglage automatique du Wi-Fi. Là. Tu vois ce que je veux dire, peut-être. Hein. Ok, bon. En fait, j'ai perdu du temps pour rien, là. Hein, à récupérer d'autres... Je crois qu'il faut récupérer les 8. Il t'impose les 8 soleils de chaque niveau, si j'ai bien compris. Hein. Est-ce que Chef Puma ou Dr Nintendo peuvent me renseigner là-dessus? Allez, j'ai trouvé mon... Donc c'est bien chronométré, les gars.
joue bien au foot, Mario. Allez, c'est parti. Économie. Ok. Il te reste beaucoup de soleil à avoir. Bah écoute, j'en ai 70. Il en faut 70, mais on t'impose d'avoir les 8 de chaque niveau. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire les niveaux qui étaient horribles. Voilà. Coincé. Coincé dans le game, les gars. Je comprends rien à ces trucs là. Je comprends rien, bordel de merde. Comment ça se fait qu'il y a des plaques, elles montent et d'autres elles montent pas. Putain. Je comprends rien. Putain, je comprends rien, sérieux. Comment ça se fait que t'as des plateformes? Il y a des plateformes, elles avancent, d'autres elles montent. C'est quoi, c'est le hasard? Je comprends rien. Sans déconner. Le pire, c'est qu'il me faut Yoshi absolument. C'est ça le pire, elle est ignoble celle-là. Celle-là, elle est ignoble. Elle est ignoble de... Elle est putain d'ignoble à récupérer, celle-là. Parce que déjà, on t'impose d'avoir Yoshi. Yoshi, il faut avoir le bon fruit pour la récupérer. Ils ont un peu abusé. Hein. Ils ont un peu abusé là-dessus, là. Tu joues au foot avec les fruits, sans déconner. Donc là, il faut que je tombe sur le bon fruit. Il faut que je le pousse jusqu'à Yoshi. Ensuite, avec Yoshi, je dois les récupérer. Je dois les sauter sur les plateformes en transformant des poissons en plateformes. C'est n'importe quoi. C'est timé. Il y a trop de conditions. Il y a trop de conditions. Tu veux de mes bûchettes glacées pour Noël? Non mais là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi des fois elles partent à droite, des fois pourquoi elles partent en haut, pourquoi elles partent... Non mais sans déconner. Voilà, j'y vais direct. Le con de Taras maudite. Ah, c'est ça. Non, mais ce jeu, il est ignoble. C'est peut-être... C'est à la fois un Mario qui est sympa, mais... C'est peut-être le pire des Mario. Hein. C'est peut-être le pire, franchement.
Même Luigi's Mansion est mieux, quoi. Sans déconner, hein. Là, Nintendo, ils ont fumé la moquette sur celui-là. Hein. Heureusement, ils ont rattrapé le... Ils ont rattrapé le truc avec... avec Galaxy derrière, mais là, c'est une honte. C'est une honte. Ce jeu est une honte. Et un enfant, comment il fait un enfant sur ce jeu? Bordel de merde. Et la galère pour monter. Non mais franchement, ce niveau-là te demande toutes les étapes possibles et imaginables. Un véritable scandale. Ah, si ça continue, je vais la faire hors live. Non, mais ce soleil, je vais le faire hors live. C'est pas possible. Ah, j'ai le fruit. Mais il est tombé, ce con. Voilà, là aussi, c'est mal foutu. Le fruit, il est tombé, là. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, là? Ici, je peux même pas l'attraper. Non, mais là, c'est foutu, là. Ah, putain. Non, mais c'est pas possible. Scandale. Putain. En train de m'énerver là. Je sens... Je sens la haine monter en moi. Quand vous ne m'entendez plus parler. Oh, il va encore tomber. Putain, il est pas tombé. Mais juste. Là, c'est moi qui vais le faire tomber. Hein. J'essaie de le prendre par-dessous si c'est possible. Ouais, c'est bon, j'ai eu de la chance. Oh putain, il est arrivé pile dessus en plus. Abusé. Non, non, c'est une véritable... véritable horreur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce système de plateforme, comment il fonctionne... aucune idée. Mais vraiment aucune idée. C'est la chance en fait. Je crois que c'est complètement random. Et si la plateforme elle est pas bonne, bah tu... Putain. Si la plateforme elle est pas bonne, bah tu reviens en arrière. Le nom du soleil, c'est Insatiable Yoshi. Est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas un moyen plus facile de l'avoir ou quelque chose? Parce que là, ça commence à devenir hyper relou. Hein. Mais rassure-moi, Docteur Nintendo, toi-même, tu te rends compte que c'est quand même un peu abusé, là, toutes ces phases à passer pour avoir ce soleil. C'est quand même un peu abusé, non? Tu le reconnais quand même aussi.
suis surpris d'ailleurs qu'en tant que fan de Nintendo, tu ne l'aies jamais fait, sachant qu'il y a un remake qui est sorti, quoi. Pas un remake, hein. J'avais compris. Un remastered. Ah, franchement... ignoble. Ignoble. J'arrive même pas à les avoir, faut que j'attende qu'ils disparaissent. Ah oh là là. C'est déconné. Je sors 4 fruits, c'est pas le bon. Putain. Ah, on est capable de passer 2 heures sur celui-là. Allez, enfin. Ah, il tombe, allez. Putain. N'importe quoi. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut transformer les poissons à la bonne hauteur. Oui, c'est ça. À la bonne hauteur. Là, les deux derniers. La plateforme où je suis tombé 2 fois d'affilée, là. La dernière plateforme où je suis tombé. Je l'avais pas transformée assez haute. Sans déconner, quoi. Là, je repars sur un drop à 0 en plus. Hein. C'est quand même abusé, rassure-moi. Toutes les phases à passer, quand même. Là, on n'est plus que dans... on n'est plus dans de la simple plateforme. Hein. Pourtant, je suis à 70 étoiles, quoi. Il te force. Oh là là, mais c'est déconné. Il sort que 4 fruits en plus, max. Et c'est vrai que c'est digne d'une quête d'un RPG de Mario. Car la quête est plutôt complexe. Oui, et en plus, c'est un passage obligé. Ça le truc, c'est un passage obligé. Bon. Et là, cette plateforme, si elle décide de monter, je suis dans la merde en fait. Pas pour rien que je l'avais abandonné plusieurs fois celle-là. Hein. Pff, j'ai failli tomber. Là, faut l'amener où là? Là, il est à rat en plus. Hein. Il soit à rat ici. Hein. Putain, elle part pas dans le bon sens. Les couilles en ski. Allez. Peut-être que si je m'occupais de celle-là plutôt. C'est assez haut, non? Et elle part pas dans le bon sens. Allez! Oh putain, mais c'est une catastrophe.
Mais putain! C'est pas possible! Si je prenais l'aérobus là, je prenais l'aérobus, bam! Impossible. De toute façon, j'avais plus de temps, j'ai joué le tout pour le tout. C'est déconné quand même là. Il y a de quoi être vert de rage. Il y a vraiment de quoi être vert de rage. Mais c'est bizarre, normalement tu dois avoir 70 étoiles. Eh oui, je les ai les 70. Hein. 70 étoiles. Est-ce que tu peux taper les conditions pour que le chemin de Bowser s'ouvre ? S'il te plaît, t'es 41, Dr. Nintendo, s'il te plaît. Parce que là, c'est quand même bizarre. Hein. Moi, j'ai l'impression, parce qu'il n'y avait rien, hein. Il s'est rien passé à Delfino, là. Hein. Une fois que j'ai eu les 70 étoiles dans ce live. Hein. Il s'est rien passé du tout. La Siri qui s'est embrouillée, là. Non, c'est foireux, là. C'est foireux, hein. J'attends de tes nouvelles, Docteur Nintendo, là. La phase pour monter, chier. C'est abusé. Ah, du premier coup. Bah dis donc. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Tout à l'heure, j'ai réussi à grimper. J'ai réussi à grimper par ici, là. Ça veut dire que là, il faut la mettre vraiment... Terminer l'épisode 7 de chaque zone principale, c'est ce qu'ils disent. Ah bah attends. Je sors de la zone alors, c'est bon, je me casse. Parce que j'ai déjà 8 étoiles ici, j'ai déjà 7 étoiles ici. Ah ils disent 7, j'avais compris 8. Ok, je pensais que c'était 8. Ok. Donc où c'est que j'en ai... En tout cas merci Docteur Nintendo d'avoir recherché pour moi. Donc, où c'est que j'en ai que... Alors, ici. Là, j'en ai 8. Là, j'en ai 7. Pour Rico, c'est où on était. 8. 7. 8.
8. Il me manque celle du village Pianta. C'est bon. En fait, il me manque une étoile. Celle du village Pianta. D'accord. Oh, le village Pianta, c'était là, si je me souviens bien. C'est là, le village Pianta. Et non, c'est la plage Sirena. Le village Pianta, c'est en haut du port. Allez, vite, vite, vite. Faut que je sorte en plus. Allez, hop, sortir. En fait, ils disent qu'il faut faire toutes les missions où il faut arroser Anti-Mario. D'accord. Et j'ai pas arrosé Anti-Mario sur le village Pianta. Bah alors là, c'est bizarre, hein. Voyons voir. Parfait. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Nintendo. Ça gère la fougère. Bon, tu en penses quoi de ce Mario, de ce Super Mario Sunshine? Est-ce que tu vois bien qu'il est quand même un cran en dessous des autres? Au niveau du gameplay, je sais pas si ça se verrait pour vous, mais est-ce que tu le ressens que le gameplay est différent? Qu'il y a une latence et tout. C'est spécial, hein. Je te conseillerais de le faire juste pour tester ça. À la poursuite d'Anti-Mario. Putain, il me manquait plus que celui-là, en fait. Sans déconner. J'ai perdu 40 minutes. Ça gère le ministère. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, monsieur Docteur Nintendo. Ah oui, d'accord, il est enflammé, lui. Oh là là, c'était easy. C'était easy. Easy. Bon, on peut peut-être le finir, hein. On peut peut-être le finir, voilà, 71 étoiles. C'était donc ça le problème. Voilà, là il se passe quelque chose. D'accord, il te demande par où il passe en fait. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est noyé là, le village? Le village Delfino, il s'est noyé là, attendez. Et comment je fais pour y aller? Par là? Ouais, c'est possible, j'ai l'impression. Ben voilà, je pense qu'on sait ça. Parfait. Ouh, oui. Alors lui, je m'en souviens de niveau. Le mont coronavirus. Le mont coronavirus. Dernier niveau. Ah ouais, d'accord. C'est la mort tout de suite. Le mont coronavirus, les gars. C'est un couloir interminable. Interminable, le couloir. Hein.
ça qu'ils ont mis une vie d'entrée là. Parfait. Parfait, on va recharger. On a rechargé, magnifique. Ici, qu'est-ce qu'il nous offre? Une vie, magnifique. Allons-y. Voilà, pourquoi il part en cacahuète comme ça là? Ah mais t'es sérieux, parce qu'il peut s'éclater contre les murs? Non, ils abusent. Ils sont en train d'abuser. Je crois que je peux modifier le titre. Et je peux écrire la fin même. La fin. Alors. La fin de Super Mario Sunshine. Et je mets à jour. Bon. On va se le faire ce jeu. On va se le faire. On va se le faire. Tu aurais pu rester 10 ans sur l'autre niveau par contre. Ah mais c'est clair. Bon après c'est ça de redécouvrir le jeu. Ils aéro-abusent. Eh oui, Zaero abuse. Sans déconner. Plus c'est du one shot là, les morts. Hein. Ok. 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 Normalement une vie ici. Magnifique. On recharge. Donc là, c'est de l'abus social. Hein. C'est de l'abus social là. De l'abus social. C'est inversé en fait. En fait, faut que je fasse à droite. Mais non! Mais c'est pas possible, à peine tu touches! Mais c'est même pas parce que tu tapes fort! C'est à peine tu touches les bords, tu meurs! Tu meurs! Sans déconner! C'est de l'abus! Ils aéro-abusent! Les aéros abusent. Oh putain, ça va être juste. C'était juste. Là aussi, ça va être juste. Mais ça passe. Oh, c'était juste là aussi. Bon, au moins, ça peut faire des vies
Si j'arrive à Bowser, hein, parce que j'en gagne deux pour en perdre une à chaque fois. Hein. Fait combien de vies, là? 6 vies. Bon. On va y aller tranquille. Je te parle avec une main dans l'eau, je me suis cramé. Oh, comment t'as fait? Le mieux, c'est peut-être d'aller au bout, et c'est que comme ça que tu diriges bien. Hein. Concentration. Salut Anto. Concentration. Il y en a des pièces bleues ici. Il y en a des pièces bleues. Même pas je la prends la pièce bleue, rien à foutre. Alors, à mon avis... C'est la catabuse. Vous allez charger, sauvegarder et continuer. Ah oui, je sauvegarde. Et pourquoi il me demande de sauvegarder pour une aérobuse? Oh putain. Oh putain, j'ai de la chance. Oh putain. On va recharger l'eau. Oh, comment ça va être une catastrophe. Non mais le mec qui a le courage de récupérer toutes ces pièces bleues avec le bateau, pour le 100% c'est obligatoire. Hein. Ils ont abusé là. Ils ont abusé. Ils ont clairement abusé. Jean-Michel Régis a troqué sa marche micro... pour sa buse, sa aérobuse même, monsieur Anto. Un peu malade, mais ça va et vous tous? Ben moi ça va nickel, je te remercie. Mais moi aussi je suis un petit peu enrhumé là. Je suis un peu déçu parce qu'il était à notre portée ce haut suivant spécial jeu vidéo. Putain de merde. Il était à notre portée. Hein. Il était vraiment à notre portée, Anto. Est-ce que t'as vu le message que j'ai laissé dans le salon au suivant? Je pense qu'il a dû te faire rager. Hein. Il a dû te faire rager parce que... Tu hésitais entre le 10 ou le 17. Entre le 10 ou le 17. Non! Non! Mais qu'est Mongol ? Oh, mais qu'est Mongol ! Oui, je suis très déçu, j'aurais tellement voulu y arriver hier. Personnellement, je l'ai trouvé plus dur que les autres. Ah ben oui ! C'est parce que t'as une connaissance vidéoludique orientée uniquement sur Nintendo, chef Puma. Docteur Nintendo, pardon. C'est parce que tu connais très bien les jeux Nintendo, mais le reste, tu maîtrises pas. Oh putain, oh j'ai merdé. Non, c'est passé juste. Hein. C'est passé juste. J'ai merdé. J'ai merdé.
Mais oui, j'en ai parlé avec Top Top hier quand il m'avait montré les numéros de gains. J'avais le seum. Entre le 10 et le 17, tu passais directement champion avec, avec 3000 points, quoi. Tu pouvais me faire sauter à la fin de ta salve. C'est fou, hein, le hasard. Après un cas soudain de mongoloïte aigu t'a frappé. Effectivement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le plongeon, Docteur Nintendo. Oui, ta salve, elle était terminée, là, avec 3000 points. T'étais au-dessus de moi, c'était à l'aise, hein. Et personne aurait eu les 3000 derrière, hein. Impossible, hein. Donc t'aurais fait le 21. Le pire, c'est fou, hein. En fait, faut pas dire que t'hésites entre deux numéros. Sinon, ça veut dire que tu peux le regretter. Putain. Bon, on va y aller doucement avec le bateau, par contre. Je connais que mes classiques dans les autres consoles et que les vieux jeux. Ah, compliqué, hein. Compliqué. En fait, c'était un au suivant qui était réservé vraiment à ceux qui suivent toute l'actualité du jeu vidéo. Et vraiment toute l'actualité dans son sens large, hein. Parce que pour connaître de quoi est tiré le jeu The Last of Us, ça, il n'y a que les gens qui s'intéressent au jeu en lui-même. Pas une information qui vient à tout le monde, hein. Ce passage, mon Dieu. Sortez-moi de ce bateau, s'il vous plaît. Voilà, là, pour récupérer toutes ces pièces-là, il faut les faire avec la barque. Bon courage. Justement, je m'en fiche de The Last of Us, donc c'est compliqué. The Last of Us, je le savais, car j'avais vu comment le jeu se construisait. Épreuve du 21, franchement, ton cerveau n'est pas conditionné à mal répondre. Mais oui, pendant une heure, tu donnes que des bonnes réponses, et on te demande d'un coup à donner les mauvaises réponses. Donc tu vois, en fait, il te faudrait un quart d'heure de repos entre les salves et la finale. C'est ça le problème. Ah, tu as précommandé le Animal Crossing, du coup. Mais tu me diras ce que t'en penses. Par contre, moi, c'est pas garanti que le DLC, si je l'achète à part, je suis pas sûr que Madame Wham pourra l'utiliser. Ça me fait peur, ça, franchement. Ça me fait peur, hein. Parce que on est sur un ratio de 99%, 1% sur l'utilisation du jeu. Ok, parfait. Alors, ici. Compliqué de savoir comment ils sont, les nuages, là. J'ai fait un peu au hasard. Ouf. J'ai fait un peu au hasard. Ok. Oh, attendez, on est presque arrivé là. C'est le Bowser qui nous attend.
Attendez, attendez, il y en a qui sont plus hauts que d'autres, c'est pas possible. Oh putain! Ok. Car l'eShop est indépendant des comptes. Tu achètes un jeu, tu pourras y jouer avec tous les comptes. Ah! Attends. Tu vas me donner la réponse. Si elle pourrait y jouer, car l'eShop est indépendant des comptes. Tu achètes un jeu et tu pourras y jouer avec tous les comptes. C'est sûr ça, Docteur Nintendo, hein? C'est sûr et certain. Voilà, compliqué ce passage là. Compliqué. Compliqué. En fait, j'ai l'impression que les nuages là, ils font un peu ce qu'ils veulent là. Oui, c'est bon. Parfait. Oui, c'est ça. En fait, tu fais ça. Là, tu le traverses. Combat final. Combat final, les gars. Avec le Bowser. Tiens, c'est flou, hein. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout, l'effet de flou, hein. Je ne connais pas le système, mais de toute façon, si Madame Wham t'envoie une Switch en pleine gueule, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est clair. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Faut que j'envoie de l'eau à un moment donné? Ou est-ce qu'il faut que je fasse... Ou est-ce qu'il faut que je pète? Parce que j'ai l'aérobuse. C'est ça. C'est ça que je dois faire. Parfait. Faut que je le dé... Putain, il m'a shooté dans la gueule. Oh putain. Comment si elle passe à travers? Et comment ça il est passé au travers? Ah ouais, carrément, direct. Direct. Il me brûle le cul comme ça, direct. Ok, on va passer de l'autre côté. Mais c'est quoi cette jouabilité? Je me suis renseigné, c'est bon, WAM, tous les utilisateurs y auront accès. Merci beaucoup, Docteur Nintendo. Oh putain, non mais sans déconner. Un peu scandaleux quand même cette histoire là. Ah oui d'accord, je peux me faire toucher par par son slime là. Mais putain. Ok, on va esquiver. Mais qu'est-ce que c'est? Ouf! Oh là là! Oh là 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 là!
Oh con. Ah oui d'accord. Oh putain. Allez. C'est la fête. À mon avis, lui, je peux lui balancer de l'eau, lui. Oh putain, une vie, carrément. Oh, une vie, c'est magnifique. Le bleu, je peux lui lancer une vie. Par contre, une petite pièce, ça me ferait du bien. On va attendre tranquillement. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de l'arnaque! Mais c'est de l'arnaque! Mais c'est de l'arnaque! Bon, le bleu, il y a moyen qu'il me donne des items. Hein. Oh putain. Catastrophe. Elle a réussi à me toucher. Un petit missile bleu, peut-être. Oh putain. Oh putain, c'était juste. Allez, on y va. Il n'y a pas de missile. Putain, c'était juste. Je crois qu'on est bon, les gars. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Professionnel. Professionnel. Professionnel gaming. Par contre, c'est con. Il n'y a pas d'affrontement pur et simple. C'est juste taper des bords de plateforme, en fait. Oh, le pauvre. Il est died. Mario, look. Thank you.
Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Starts now. Satoru Iwata, producteur exécutif. Shigeru Miyamoto, producteur. Ouais, il a quelque... Il est différent, ce Super Mario Sunshine. Ils sont rentrés dans les... Dans cette phase-là, ils sont rentrés dans des jeux Nintendo où il fallait que tu aies un objet spécial. Luigi, il avait son aspirateur, et bien il fallait que Mario il ait un jetpack. J'espère que mon nom est dans le générique. Au mieux, t'auras le français qui fait la voix de Mario. Hein. C'est tout ce que t'auras. Anto, désolé. Charles Martinet, voilà. The Voice, Charles Martinet. C'est un français qui fait la voix de Mario, c'est quand même quelque chose. Pierre Sanchez qui a fait la traduction également. Il n'est pas français, si ? Si, je crois qu'il est français. Hein. Il est français ou belge ? Il n'y a pas beaucoup de monde qui a travaillé sur ce jeu, en fait. Hein. Je regarde bien le crédit, le bordel, il a duré 30 secondes. Et c'est la fin. Il n'est pas français, si ? Américain ? Non, je crois qu'il est français, Anto. Hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Il est américain ? Mais il parle français. C'est quoi ? C'est un Québécois ? Mais j'ai toujours cru que Charles Martinet était français. Attends. Alors, Charles-André Martinet. 15 septembre 1955, il a 66 ans. Il est né à San José aux États-Unis. Nationalité américaine, acteur et comédien de doublage. San José en Californie est un acteur et comédien de doublage américain, célèbre pour être la voix de Mario, mascotte de la firme de jeux vidéo. Il double depuis... Il interprète également d'autres personnages comme Luigi, Wario, Waluigi, Bébé Mario, Bébé Luigi, Papi Champi. Martinet est de descendance française et parle couramment français. Ah ben c'est parce que moi je l'ai vu parler français. C'est pour ça. Donc Martinet est de descendance française et parle couramment français et espagnol. Sa famille déménage à Barcelone à ses 12 ans et plus tard à Paris. Il passe sa scolarité à l'American School of Paris et sort diplômé en 1974. C'est parce que je l'ai vu parler français, en fait, c'est pour ça. Super Mario Sunshine. Quoi, je dis... Il a fait la capture de mouvement aussi ? Sans décoder. Martinet pouvant voir les visiteurs à l'aide d'une caméra cachée, ce système de marionnettes virtuelles. Bon ben voilà,
Je suis bien content de l'avoir terminé parce que c'est un peu ma bête noire au niveau des Mario. Donc, je suis content de l'avoir refait et terminé. Je pense pas qu'on fera le 120 soleils, clairement. Je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Parce que sa jouabilité, elle est clairement horrible. Mais ça annonce que le Super Mario suivant sera Galaxy. Un grand merci à Anto et un grand merci à Dr. Nintendo de m'avoir accompagné lors de cet épisode. Je vous donne rendez-vous ce soir pour Minecraft RP. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway.